Al-Khayyumin. À Hanouka, il allume les lumières, les bougies, et il se rend compte, après qu'il a tout allumé, qu'il a oublié de faire les brachot. Eh bien, dans le premier jour, il a le droit, même qu'il a terminé, tout terminé, de faire deux brachot. L'Hadlik, il n'a pas le droit, puisqu'il a déjà allumé, mais à l'Anissim et Shekhian, le premier jour, il a le droit de le dire. Pourquoi ? Parce que on a le droit de faire cette bracha pour le fait que moi je vois les bougies dans la demi-heure. Si j'ai pas, personne n'a allumé pour moi, ou moi je vais pas allumer. Alors lorsque je les vois, j'ai le droit de faire la bracha. Alors puisque moi je les vois maintenant, alors j'ai le droit de faire cette bracha. Il y a une discussion, si quelqu'un voit les bougies de la synagogue qui ont été allumées, entre Mincha et Arvit, et même il est dans la demi-heure, est-ce qu'il a le droit de faire les brachot sur ses bougies s'il n'allume pas dans sa maison et personne n'allume pour lui? Rav Ovadia il est mekel, comme le Vouche, mais le Rivash, le Rama, il ramène le Rivash qui dit qu'on ne peut pas être acquitté de l'allumage de la synagogue. C'est seulement de faire persomanes. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Le mieux, c'est de ne pas s'acquitter à la synagogue.